Bonsoir, c'est Julien. Figurez-vous que ce matin, je termine mon café Nespresso dans ma cuisine Ixina. J'embrasse mon épouse pour partir chez RTL, la première radio de France. Je sors, je ferme ma porte arrêt fenêtre, j'enclenche l'alarme Verisure, et là, je me retourne. Que vois-je? Notre Renault Zoé, garé sous un arbre, avec au-dessus une nuée d'oiseaux qu'il avait salie. Je prends mon iPhone, j'appelle mon épouse pour lui expliquer qu'elle aurait dû se garer dans notre garage équipé d'une porte automatique. Somme fille, elle me raccroche au nez. D'ailleurs, à ce propos, comment se fait-il que Bouygues Télécom ait laissé faire une chose pareille? Donc j'appelle mon assureur, ils me disent on ne peut rien faire. J'appelle Renault Assistance, ils me raccrochent au nez. J'appelle Renault Direction pour leur expliquer que Renault Assistance m'a raccroché au nez. Ils me raccrochent au nez. Je rappelle Renault Assistance et Renault Direction pour leur dire qu'ils auraient pu tout de même m'offrir une Renault Zoé plus 3 années d'entretien gratuit. Et puis, je raccroche. Et puis, vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé Michel Welbeck pour lui dire, écoute, Michel, passe dans mon jardin faire l'épouvantail.